Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tom et Gasper. Et il est parti, je sais pas. Bon, un petit king là, je vais enlever le pied. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite. Fortnite, regardez ces deux magnifiques pop juste ici. Et on va l'autre aussi. Voilà. Pour une nouvelle. Ah, attends. On met ça dans le placard, on ferme la porte à clé, et après la vidéo elle est perdue. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo, mettez toutes les cloches de notification. Bon, on rouvre le placard. Ah voilà, c'est bon. Bon, c'est deux pas, on part duquel? Lui ou lui? Celui que vous préférez. 1, 2, 3, c'est pas papa. 1, 2, 3. Ok, c'est pas lui. C'est lui. Alors, lui. Qui est-ce? C'est le skin corbeau. En fait, le skin corbeau, il a plusieurs revêtements. Bien sûr, c'est un skin Fortnite, il existe dans le jeu. Parce que si un pop Fortnite qui existe dans la vraie vie, c'est impossible qu'il existe dans la vraie vie. Parce qu'il doit d'abord être dans le jeu et puis il existe dans la vraie vie. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Il a plusieurs revêtements, il en a trois. Oui, trois. Le premier, c'est il est normal il est violet, il est tout sombre, vous voyez comme là, je vous le montre. Vous voyez, il est tout sombre et on voit ses yeux violets, il est violet et tout. Il est magnifique. Il est sorti en saison 7 du chapitre 1 parce qu'on est en chapitre de saison 6. Saison 7, rareté légendaire. Légendaire qui est très rare. Voilà. Oh, on peut bouger la tête, j'aime bien. Wouhou, je suis un vampire. Voilà, je vous le montre de derrière aussi. Hop là. Moi je le trouve très magnifique. Dommage qu'il n'a pas son sac à dos et sa pioche. Ça aurait été bien. Regardez aussi les autres styles qu'on peut. Les autres personnages qu'on peut avoir. Voilà. Bon bah il y a aussi. Ça c'est le principal que je vous ai dit. Puis on a celui qui est sorti. En fait lui il est sorti avec un pack. Il est sorti avec la chevaleresse de glace. La chevaleresse de glace. Il est trop beau. Franchement allez voir dans le jeu ou allez voir une vidéo. Il est vraiment trop beau. Et il y a aussi le vol de cœur mais glace. Il est sorti dans un pack comme ça. J'aime trop. Puis le chapitre 1 est parti, saison 6, saison 10 et tout, saison 9. Tout ça, Fortnite a mis dans le placard, ils ont sorti le chapitre 2. Alors en chapitre 2, saison 2, il y a eu le pass de combat et on devait faire des défis. Et on pouvait gagner Deadpool. Et Deadpool, le corbeau comme vous pouvez le voir ici, il a aussi été en revêtement... comme Deadpool quoi, comme Deadpool, les yeux rouges ici, tout rouge, là tout rouge, et vous... imaginez un peu dans votre tête comment il pourrait être en rouge. Franchement, ce pop est très magnifique, je vous le remontre, hop là. Voilà, surtout abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo à vos copains, à vos copines, n'importe. On va laisser la boîte. Et ici, voilà, on met le pop. Juste là. Voilà. Maintenant, on passe à l'autre. Il s'appelle Nomad. Nomad. Qui est sorti en rare. Qui est sorti dans la boutique de Fortnite. Rareté légendaire, bien sûr. Oh, il est là. Regardez, les amis. Le skin que je vous parlais. Ça s'appelle des skins. Il est là. Ça c'est le normal. Vous voyez, ça c'est le normal. Et ça, on l'a en mode glace. Là, ici, vous voyez, il est normal et glace. Franchement, Fortnite a bien fait ça. Hein. J'aime beaucoup. On va le mettre ici. Maintenant, je vous parle de Nomad. Nomad, alors, qui est ce personnage? Nomad, en fait, il est sorti en chapitre 1. Saison 7 aussi, si je ne me trompe pas. Attendez, je vous montre. Je montre pas. Il est sorti aussi en saison 7, rareté légendaire. Moi, franchement, celui-là et celui-là, c'est
deux skins que Fortnite que j'aime beaucoup, que Fortnite a créé, que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup touché. Regardez. Ici on dirait un peu Dragon Ball. Je vous montre le derrière. Voilà. Ici. J'aime bien son sa veste qu'il porte. On a aussi son hache. Enfin sa pioche qu'on appelle dans Fortnite. Voilà. Ici. Ce skin est sorti en saison 7, le rareté. Mais vous savez que rareté légendaire est quand même rare. Hein. Mais le skin le plus rare du jeu est la Renegade Raider. La Renegade Raider, c'est un skin méga ultra rare. Hein. Nomad, en fait, maintenant, dans le chapitre 2, saison 6, vous voyez la saison dernière, il y a eu les yeux. Vous voulez voir les yeux? Voilà, ils sont très beaux, les yeux comme ça. On dirait... Bec. Je me suis trompé. C'est pas chapitre 1 saison 7. C'est chapitre 1 saison 5. Oh non, tu dis des bêtises. Ouf. Vous savez, parfois ça passe dans une oreille et ça part par l'autre. Hein. Poisson. Je suis le poisson rouge. Mini cerveau, comme ça là. Ça passe par là et ça repart par l'autre. Allez, le train. Vion, vion. Je vous le montre parce que moi franchement ce skin il est franchement pour moi il est trop beau. Dommage que je peux pas vous montrer son vrai visage parce que il y a des pop, enfin dans Fortnite il y a des skins. Ce skin on peut le voir sans le masque. Je sais pas s'il existe en pop. Dites-le dans les commentaires si le pop il existe sans le masque. Ce serait bien pour voir parce que là on dirait pas vraiment un pop. On dirait une licence faux pop parce que les yeux des pop, c'est des trucs ronds de 10 000 mètres quoi. Enfin, sur le pop, c'est des yeux comme ça. Heureusement qu'on n'a pas ça dans la vraie vie hein, parce que sinon, je peux te dire qu'on voit fiou de là-bas. Et je l'aime beaucoup ce pop. Je vous montre la boîte aussi, la boîte des autres personnages qu'on peut avoir. Il y a un beau skin ninja, il y a un skin. Astronaute. Je pars dans l'espace. Je vais vous montrer les deux, comme ça, vous me disiez dans les commentaires quel est le préféré. Alors, Nomad, c'est le premier. Premier et deuxième. Corbeau. Attendez. Nomad 1. Corbeau glace 2. Lisez-le dans les commentaires. Les yeux, regardez. Voilà. Ah, et aussi, mais d'où viennent ces produits? Mais oui, d'où viennent ces produits? Oh Dieu, donne-moi du ciel, donne-moi des pommes. Hein? Aïe, ma tête. Mais non, ça vient pas du ciel. ID9, et oui, ID9 nous a donné ces produits pour faire cette vidéo. Comme ça, vous regardez, vous disiez, ah ouais, Tom, j'aime bien ces pommes. Dites ça dans les commentaires. Ouais, Tom, j'aime bien ces pommes. Continue à faire des vidéos sur des pommes. Ouais, j'aime trop. Je vous les remontre parce que moi, franchement, je les aime beaucoup. Dans ma... Moi, vous savez où je vais les mettre hein? Je vais les... Oh, oups, encore bug. Je vous ai dit, je suis un poisson rouge. Bon, je vous laisse. Je dois me sauver. Surtout, cette vidéo, vous savez, c'est grâce à qui? C'est grâce à ID9, ces deux pop-là. C'est de... Pour moi, c'est de petits bijoux. De petits bijoux. C'est grâce à ID9, des pop Fortnite. Surtout n'oubliez pas ID9. Ah aussi ID9, vous pouvez commander mais seulement si t'as une boutique hein. Sinon tu peux pas hein. Tu peux pas si t'as juste ta maison à toi et que tu veux t'acheter un pop rentre chez toi. Tu peux pas, c'est que pour les boutiques. Allez, ciao, je vous laisse. Surtout likez, partagez, commentez et mettez la cloche de notification et abonnez-vous. Ciao, je me casse. Au revoir.